Bonjour à tous, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Sylvain. Donc présentation d'une autre espèce aujourd'hui, donc le python Brongersmay. Alors déjà on va commencer par présenter un bébé qui vient de naître il y a pas longtemps, donc mutation, comme il y a des mutations dans cette espèce, mutation classique. C'est pas une mutation, oui, précis. Voilà, c'est du classique, c'est du naturel. Là c'est du, issu voilà. D'un père hétéroalbinos, ouais. La femelle c'est issu d'un porc classique sauvage. Voilà. Donc on présente celui-là un peu vite fait parce que c'est vraiment une... ils sont vraiment chaud patate, on va dire. Bah, d'ailleurs Sylvain s'est fait mordre tout à l'heure, on peut bien le voir. Tiens, monte un peu ta blessure de guerre. Décidément il aime bien se faire mordre par ses serpents. Mais ouais, l'autre il était vraiment chaud patate. Celui-là est un peu plus calme. Bah, remontre-le un peu plus près. Si, on va voir s'il essaie de mordre la caméra, mais à mon avis non. Voilà, donc c'est vraiment un beau serpent. C'est assez vif, là c'est du bon stress et tout. Mais c'est vrai, voilà, c'est magnifique, même en mutation classique, c'est magnifique. Après, donc toi t'attends quand même d'autres mutations sur une autre ponte. Ouais, une ponte de matrice for ivory. Voilà, donc ça va donner du lourd. Hein, donc, et d'ailleurs, c'est pour déjà voir voilà. Et donc c'est. Donc voilà, on voulait présenter le bébé, enfin un des bébés, parce qu'il y en a plusieurs, pendant que c'était un des plus calmes, on va dire. Donc pour voir un peu, que vous puissiez voir un peu la différence entre du petit. Et du gros, voilà. Donc après, ça vient de quel pays, ça à peu près? De Malaisie. De Malaisie, voilà. Donc c'est purement asiatique. Ouais, c'est de l'asiatique. Voilà, donc c'est pas, voilà, une autre morsure encore, pour voir un peu à quel point ils sont chauds patates. Mais donc voilà, donc ça vient d'Asie, donc c'est pas fouisseur, enfin c'est pas arboricole. Non, c'est plus terrestre, un peu. Terrestre, voilà. Parce que ça, c'est pas tout. Ça vit plus dans des terriers aussi, peut-être, non? Comme le python rajus, ou c'est différent? Non, je pense pas. C'est des terriers, je pense pas qu'il y en a là-bas. C'est tant jamais. Hein. Ouais, donc non, après voilà, c'est plus du terrestre qu'autre chose. Après au niveau législation, c'est un annexe 2B. Ouais. Annexe 2B, en France, 10, limité à 8 à 10. 10 ouais, de toute façon, déjà vu quand on a un et qu'il sent petit, qu'il cherche à taper comme ça. Donc donc voilà. 1m50, c'est 1m50, 1m60. Voilà, ça fait quand même déjà une belle taille. C'est assez trapu aussi. Trapu, ouais. D'ailleurs, on peut le voir sur les bébés, ça commence déjà à l'être un petit peu. Pourtant, ils ont à peine 15 jours, ceux-là. Ils ont un mois. Là. Un mois. Ouais, donc, un mois, on commence déjà à voir le côté trapu de l'animal. Alors je pense que tu dois le voir déjà aussi à la naissance, c'est une particularité. Ils sont à peu près à la naissance, c'est légèrement plus gros qu'un python rajus, on va dire. Voilà, donc voilà, c'est ça montre un peu déjà le truc. Mais bon, après, c'est quand même une belle bête avec de jolies couleurs, mais bon, ça quand ça veut pas, ça veut pas. Quoi. C'est pas conseillé aux débutants. Voilà, vu le caractère déjà. Un peu d'expérience. Voilà, moi qui n'ai pas d'expérience. Je l'ai pas dans la main, c'est volontaire aussi, parce qu'en serpent, c'est pas là où j'ai le plus d'expérience. Voilà. Mais, puis si c'est pour me faire mentir, autant laisser Sylvain faire quand même. Tant qu'à faire. Voilà, donc c'est un serpent pas conseillé aux débutants. Bah, d'assez grande taille. Ouais, bah, disons un peu d'expérience quand même. Faut ah oui, un peu d'expérience. Voilà. Voilà, pas débutant, quand on dit débutant, voilà, c'est le mec qui a son premier reptile. Voilà. Mais voilà, ça a quand même un sacré caractère, une bonne taille, un bon poids, parce que c'est comme c'est trapu, ça fait quand même une bonne masse. C'est bien défensif aussi par stress, hein, parce que, oui. Voilà, on va le répéter quand même, il n'est pas agressif, il se sent en danger, il réplique, c'est du défensif. Après, il faut les habituer. Voilà, on les habitue un peu, on peut jouer sur le caractère, ça prend du temps. Il faut prendre confiance. Mais, voilà. Il faut prendre confiance avec lui, il faut que lui prenne confiance avec nous. Voilà, il n'y aura pas de lien d'amitié. C'est ce qui s'est passé avec ma femelle sauvage. Oui, voilà. Parce que quand elle tapait tout le temps, et puis un jour elle fait une mauvaise mue. Je l'ai prise, voilà, je fais faire un bain, et depuis, bah, elle s'est manipulée, elle ne dit plus rien, mais il y a toujours le caractère qu'elle a, mais on voit qu'elle n'aime pas ça, y a toujours elle de la tolère, elle souffre, mais elle ne va pas attaquer comme avant. Il y a du progrès, quoi. Il y a eu du progrès. Il faut du temps. Donc là, c'est un bébé, donc là, on va aller vous chercher un gros, pour vous montrer un peu la taille bébé, la taille adulte. Donc le gros, ce sera la maman. Ouais, je pense qu'on va prendre la maman. Bon, voilà, elle est un peu maigrichonne, mais bon, c'est normal. Bah, elle a pondu, donc il faut qu'elle reprenne un peu. Mais ça vous donne. Je vais pas faire mal parce qu'une manne, il a fait con. Ça vous donne un peu l'idée, enfin, ça vous donne un peu la marge entre le bébé et le gros. Et voir pourquoi on le conseille pas aux débutants. Déjà, rien qu'au caractère, ça se voit directement. Mais voilà. Voir que le gros, c'est la morsure du petit fait déjà bien saignée comparé à la morsure que tu avais la dernière fois. Donc le gros, faut imaginer un peu, voilà, ça fait beaucoup plus mal. Voilà, donc on va aller chercher le gros, puis on va vous montrer ça. Il me kiffe. Il te kiffe. Je suis bon à manger certainement. Voilà. Mais t'as les yeux plus gros que le ventre là. Donc on va aller chercher le gros et on va vous montrer la différence.
Donc voici donc pour la suite donc de la vidéo. Alors nous n'avons pas pu prendre les femelles parce qu'elles ne voulaient pas. Donc pour vous faire plaisir, nous sommes allés chercher un mâle ivory, donc mutation ivory. Donc ouais. On voit vraiment la différence. Donc là il souffle quand même pas mal. Hein. Il ne sait pas trop faire. C'est du brong, hein. Ça se laisse pas trop faire. Enfin là il est encore jeune. Hein, voilà. À limite montre un peu plus la tête au niveau de la caméra pour qu'il puisse bien voir. C'est vraiment un bel animal, mais voilà, ça reste du brong, ça reste caractériel. Voilà, donc suite à la petite attaque de la caméra, donc vous voyez bien, je disais bien que c'est caractériel, j'ai pas menti. Hein. Donc on a bien vu la caméra se valdinguer un peu partout. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on ne le conseille pas aux débutants, qu'il faut un peu d'expérience aussi pour maîtriser ça, maîtriser la force de l'animal, son ouais, caractère c'est aussi. Là, quand il est jeune, il est pas très grand. Oui, et encore, il est plus calme que les femelles, donc imaginez oui. Ce que les femelles auraient fait. Et surtout que hors caméra, quand après qu'il l'ait fait valdinguer, il a cherché à me chiquer derrière, alors que je le maintiens. Il me surveille. Il me surveille là déjà. Je sens qu'à mon avis, s'il pouvait me croquer, je suis pas un gros lapin moi, faut arrêter. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne le conseille pas forcément à tout le monde et qu'il faut un peu d'expérience dessus. Malgré que ce soit des très beaux animaux, parce que là en mutation ivory, il est aussi beau que le classique. Enfin, du moins pour moi qui n'est pas spécialiste serpent, je le trouve aussi beau. Après, avoir les petits matrix que tu vas nous sortir, que j'ai une mutation que je connais pas, que j'ai pas été chercher avant cette vidéo. Non, ça n'est tout orange, assez orangé. Assez orangé, donc l'orangé c'est ce que je kiffe d'ailleurs pour les geckos, on le voit très bien. Mais voilà, donc ça fait quand même une belle bête, ça fait quand même son poids. Il fait combien en poids celui-là? Là, il fait, j'avais pesé, il faisait 5 kilos, 5-6 kilos. 5-6 kilos, donc voilà, ça fait quand même une belle bête. La femelle faisait 6 kilos, lui, il devait faire 5 kilos. Voilà, donc 5 kilos, ça fait quand même une belle bête. Donc à maintenir comme ça fait les muscles, ouais, on va dire. C'était pesé, c'était en début d'année, quoi. Voilà, pesé en début d'année, donc voilà, il a dû prendre un petit peu depuis, de temps entre 5 et 6 kilos. Donc voilà, c'est une belle bête, un bon caractère. Donc pas à mettre en main de tout le monde. Donc vous voyez la différence entre le bébé. Et le petit. Et donc lui sera le père de la prochaine ponte, du coup. Voilà, c'est le père de la prochaine ponte. Voilà. Donc pour que vous voyez un peu la différence, donc pas mettre en main de tout le monde. Et voilà, donc là il me surveille encore, j'ai des doutes sur le fait qu'il en ait le droit. On va le poser, ça va te faire plaisir comme ça. Ça va te soulager. Voilà, on va mettre fin à cette vidéo avant que je me fasse croquer. Et si je me fais croquer entre temps, ce sera dans le bêtisier, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc vous voyez que les petits mordent Sylvain, les grands mordent la caméra. Ou me cherche à voir moi. Voilà, donc toujours faire très attention avec n'importe quel serpent, ça reste des animaux sauvages au final, même s'ils sont nés en captivité, ils ont quand même un instinct sauvage. Donc toujours faire très attention, toujours avoir du gel hydroalcoolique avec soi, des crochets pour manipulation, parce que quand on est cherché, on a pris des crochets. Toujours voilà, bien se protéger, et toujours avoir la confiance de l'animal avant toute manipulation, pas le prendre comme un sauvage, y aller lentement, c'est des règles de sécurité de base. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et on se dit bah, plus tard pour une prochaine vidéo. Ouais, salut. Plus.